aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter une nouvelle vidéo de collaboration. Je ne vous en ai pas encore parlé sur YouTube, mais sur Instagram et sur Facebook, normalement, vous le savez. Je suis ambassadrice pour la marque Hello Equilibrium. J'ai rejoint l'équipe au cours de l'année 2023, à peu près en milieu d'année. Mais du coup, comme je n'ai pas fait l'année complète comme les autres ambassadrices, Lucille m'a gentiment proposé de continuer l'aventure et de rester également ambassadrice pour 2024. Il était donc vraiment plus que temps que je vous fasse cette première vidéo autour des produits Hello Equilibrium, qui sont donc des produits que j'utilise depuis maintenant plusieurs mois, forcément. Mais du coup, commençons par le commencement. Hello Equilibrium, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de produits de soins pour les équidés qui a été créée par une docteure en pharmacie qui a décidé de mettre ses connaissances et ses compétences au service des chevaux. Les produits de la marque sont des produits naturels qui sont formulés à base de plantes, de minéraux, et il s'agit essentiellement, si je ne dis pas de bêtises, de soins pour les pieds, pour la peau et pour les poils, les crins, voilà. Un gros point positif de cette marque, c'est qu'on a donc affaire à quelqu'un déjà qui s'y connaît globalement en matière de soins, mais qui s'y connaît également en matière d'âne, puisqu'effectivement Lucille est propriétaire de deux ânes, si je ne dis pas de bêtises, ce qui fait que du coup elle connaît très bien les spécificités de nos longues oreilles et notamment les problèmes de santé qu'on peut le plus souvent retrouver chez eux. Et c'est d'ailleurs pour ça que la marque s'appelle Hello Equilibrium, Hello signifiant donc longues oreilles. C'est pas du tout parce que c'est les initiales de la créatrice, ça n'a aucun rapport, je vous dis que ça veut dire longues oreilles, ok? Je vais vous parler aujourd'hui des 4 produits que j'ai pu tester dès le départ dans le premier colis que j'ai reçu de la marque. Vous avez peut-être vu passer sur Instagram, j'ai reçu entre temps un autre colis avec des nouveaux produits, mais ceux-là n'ont pas encore passé ma phase de test rigoureux, donc je préfère vous en parler plus tard. J'ai donc reçu 2 produits de soins pour la peau et 2 produits de soins pour les pieds, avec en idée plutôt les soins de la peau pour Egon, car en été vous savez que les insectes lui mettent la vie dure, que ça peut être très compliqué pour lui et que du coup il a pas mal de problèmes de démangeaison à cause de ça. Et les soins des pieds, pensez plutôt pour Fanfan pour le coup. Vous savez, Fanfan, ancien fourbu, problème de pieds à répétition, fourmilière qui n'arrive pas à se résoudre. Et sans plus attendre, je vous propose de commencer tout de suite avec les soins de la peau. Oui, alors comment vous dire? Le savon Saposana Equilibrium, c'était un des produits que j'avais le plus hâte de tester. Je l'ai testé, mais pas forcément aussi bien que j'aurais voulu, car il y a eu un petit problème technique. Je l'ai utilisé une ou deux fois sur Egon, et il s'avère que la deuxième fois, j'ai oublié mon sac de soins au pré. Évidemment, le lendemain, j'arrive, toutes mes affaires sont répandues partout dans le pré. Et le savon Saposana a été mangé par les ânes. Enfin, il a été en tout cas mâchouillé, je l'ai retrouvé, hein, mais il avait vraiment plus forme humaine. Mais de cette expérience malencontreuse, j'en tire quand même une conclusion plutôt positive, puisque les produits Hello Equilibrium ne sont pas dangereux, même en cas d'ingestion par des équidés qui font un peu des bêtises. C'est bien évidemment la première chose que j'ai fait en constatant les dégâts, c'est d'envoyer un message pour demander si c'était grave, s'il fallait que je m'inquiète, s'il fallait que j'appelle le véto en urgence, et non. Tout va bien, et effectivement, tout le monde va très bien. Je ne peux donc pas vous faire un vrai retour sur la durée de l'utilisation de ce savon. Néanmoins, les quelques applications que j'ai pu faire m'ont vraiment satisfaite, et en tout cas sur le concept de ce savon, je le trouve vraiment très intéressant. En fait, ce savon, il a un peu deux façons d'être utilisé, c'est-à-dire que soit vous vous en servez un peu comme un savon classique pour nettoyer, assainir une zone qui en a besoin, vous mouillez, vous frottez, vous rincez, soit vous pouvez ne pas rincer après l'application, ce qui va permettre de laisser une petite pellicule, un petit film de protection sur la peau, ce que je trouve super intéressant et super intelligent. En tout cas, c'est comme ça que moi je m'en suis servi avec Egon et je trouvais ça vraiment chouette. Donc je pense que l'été prochain je vais reprendre du savon Saposana et que je vais le retester pour de bon, cette fois-ci en faisant bien attention à ne pas le laisser traîner n'importe où. Le deuxième produit pour la peau dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le Philosa Equilibrium. Celui-là, vous en avez entendu beaucoup parler cet été, car globalement, j'ai un peu passé mon été à en appliquer sur Egon à chaque fois qu'il y avait une nouvelle zone gratouillée, un peu abîmée, voilà. D'ailleurs, ça se voit à l'étiquette, il a bien vécu. Il m'en reste quand même beaucoup. Ça, c'est un truc qui est vraiment génial avec les produits de la marque. Il me semble que tous les produits fonctionnent de cette façon, c'est-à-dire qu'il faut en appliquer très peu. Ça sert à rien d'en mettre une grosse tartine, mieux vaut mettre une toute petite pellicule toute fine, mais en mettre tous les jours par exemple. Voilà, je m'en suis servi tout l'été sur Egon qui avait quand même des belles zones sans poils et il m'en reste, bon là il est un petit peu sur le côté mais je dirais il me reste bien une moitié de peau, même un peu plus.
J'aime énormément l'odeur de ce produit. Les odeurs des produits, la couleur des produits, tout ça c'est vraiment naturel. Il n'y a pas de parfum à ajouter pour que ce soit plus agréable ou quoi que ce soit. Pour le meilleur ou pour le pire, je sais que cette odeur de Filosa, il y a des gens qui ont beaucoup de mal. Moi j'aime beaucoup. Le Filosa, il est génial parce qu'en fait c'est un peu le produit magique qui fait tout. Il vous sert dans tout plein de circonstances. On dit que le Filosa aide les peaux abîmées suite à des micro-organismes et ou des parasites, gueules de boue, dermatophilose, teigne, mycose, photosensibilité également. Donc voilà, concrètement vous avez un problème de peau, Filosa. En tout cas pour Egan, moi je l'ai vraiment apprécié, je trouve qu'il fait bien le taf. Il a vraiment aidé la peau à se remettre des grattages et aux poils à repousser correctement. Maintenant c'est vrai que l'idéal avec Egan, ce serait quand même que j'arrive à trouver la solution miracle pour qu'il ne soit pas gêné et dérangé par les insectes, qu'il n'ait pas de démangeaison, donc qu'il ne se gratte pas, donc qu'il n'ait pas de plaques sans poils qui nécessitent d'appliquer ça. Voilà, ça permet pas de faire du préventif, en tout cas dans mon cas. Cela dit, il me semble avoir vu passer dernièrement que le Filosa peut également être utile pour repousser les tiques. Donc au final, il peut faire du préventif pour certains trucs quand même. Je vous ai dit, c'est un produit magique qui fait tout. En tout cas, voilà, si vous avez envie de tester un produit de la marque, je pense que c'est un peu celui-là, le produit qu'on doit tous avoir dans notre boîte de pansage. Moi, je l'aime beaucoup. Je le trouve très chouette. J'ai hâte de le tester dans d'autres situations, dans d'autres circonstances. Mais il est en tout cas plus que validé de mon côté. On passe maintenant aux produits de soins pour les pieds et on commence avec le Frog Equilibrium. C'est un petit peu le soin de base pour les pieds, on va dire. C'est le traitement de routine pour s'assurer que le pied reste sain, que tout aille bien et qu'il n'y ait pas de problème qui commence à se développer en fait. On parlait de préventif juste avant, pour moi le Frog Equilibrium c'est vraiment ça. Il va vraiment permettre d'assainir le pied, notamment avec tout ce qui va être les petits micro-organismes, les parasites, les champignons, les trucs qui font des fourmilières notamment. Ça aide aussi à réguler l'humidité, ce qui aide notamment pour les fourchettes pourries. Il sent moins fort que le Filosa, mais j'aime bien son odeur quand même. C'est donc, vous le voyez, une sorte de baume, d'onguent, je ne sais pas quel est le terme correct à employer. Ça s'applique au pinceau, sur le pied. Vous pouvez en mettre sur tout le pied. Moi, je fais vraiment en priorité la sole et la fourchette, un petit peu les gloumes. Certaines personnes en mettent aussi sur la paroi, il me semble. C'est vrai que, personnellement, de mon côté, j'y vois pas forcément d'intérêt. Il a une texture qui est assez crémeuse, mais vous voyez, par exemple, si je le mets à l'envers, ça va pas couler ou quoi que ce soit. C'est un peu technique à avoir au pinceau. Au début j'ai un peu galéré, là ça y est je commence à avoir la technique. Encore une fois la consistance elle est vraiment liée aux ingrédients qui ont été utilisés pour faire le produit. Donc voilà, si c'est un peu compact, et bah c'est un peu compact, on s'en sort très bien quand même. Je sais que Anne de la chaîne Anne Victoire a également le Frog Equilibrium chez elle. Elle s'en sert régulièrement avec ses ânesses. Et comme vous le savez elles ont également un passif fourmilière, voilà. Et jusqu'à présent elle a l'air d'en être vraiment super satisfaite. Ça a l'air de vraiment fonctionner, d'aider les ânesses, donc c'est super. De mon côté je m'en sers sur les plus beaux pieds de la troupe on va dire, mais sur les autres par contre je ne me sers pas du Frog Equilibrium mais de son petit frère. Ah, le Frog Express. Comment vous dire l'amour absolu que j'ai pour ce produit. Je vous dis ça en tant que propriétaire d'un âne qui a des pieds nullissimes depuis que je le connais. Ça fait 10 ans que je connais Fanfan, ça fait 10 ans que je m'en occupe, ça fait 10 ans que je pleure dès que je vois ses pieds. Ce petit produit là, je pense qu'il nous a sauvé la vie, il nous a ouvert un nouveau chemin des possibles. Il s'appelle donc Frog Equilibrium Express. Globalement, autant le Frog Equilibrium c'est le soin de base quotidien à faire régulièrement pour entretenir, pour que tout aille bien, autant lui c'est celui qu'on appelle quand on a besoin d'une intervention musclée. Il est présenté comme étant un soin pour les fourchettes, mais en vrai, il fait vachement plus que ça. Je trouve le format vraiment super pratique parce que du coup, vous voyez, c'est un espèce de petit tube pipette. Vous pouvez aller appliquer le produit directement au niveau des lacunes des fourchettes, par exemple, au niveau des fourmilières, si c'est quelque chose qui vous concerne. Alors faut pas faire la même erreur que moi la première fois que je l'ai utilisé, c'est-à-dire qu'il faut secouer le produit avant. C'est quand même efficace si vous ne le faites pas, mais vous n'avez pas tous les actifs du produit, donc c'est un peu dommage. Voilà, normalement le produit ne doit pas ressembler à ça, mais il doit voilà, avoir une couleur un peu brun, vert, pas très appétissant.
mais très efficace. Une fois que vous avez appliqué le produit sur le pied, vous pouvez prendre un pinceau et répartir l'excédent, car pour rappel, il suffit vraiment d'une couche fine à chaque fois. L'idée, c'est de faire des soins régulièrement, mais pas d'en mettre une tartine. Et même si vous vous en servez, par exemple, pour une fourchette pourrie, la sole sera également très contente d'y avoir droit, vous inquiétez pas. On le conseille en traitement d'attaque, donc l'idée, c'est vraiment d'en appliquer tous les jours pendant 10 jours. Et normalement, déjà, on peut voir une belle différence. Je vous avoue que je n'ai pas réussi à tenir les 10 jours. Encore une fois, si vous nous suivez sur Instagram, vous avez suivi l'histoire, vous avez suivi les péripéties. J'avais mis un petit compteur du nombre de jours où je me tenais à faire mes petits soins réguliers des pieds. Et puis, il y a eu la tempête. On a eu un arbre qui est tombé complètement sur notre zone de soins, la zone voilà, où je fais tous les soins dans notre pré d'été. Ce qui fait que du coup, malheureusement, ça a un petit peu mis fin à notre série des 10 jours. Je sais plus combien on en a fait au final. Je peux pas vous dire ce que ça donne en application comme ça, en cure de 10 jours. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que Fanfan, ça fait, je crois, 2 ans maintenant qu'il est suivi, enfin que mes deux ânes sont suivis par des podologues et plus un maréchal. Ça avait déjà vraiment aidé, les pieds de Fanfan étaient vraiment mieux que ce qu'ils ont été à une époque, il y avait beaucoup moins de sensibilité. On se retrouvait quand même avec des fourmilières qui ne voulaient pas partir. Alors honnêtement, oui, moi je veux bien croire aux coïncidences. Je veux bien croire qu'effectivement, après 2 ans de super travail de mes podologues, et puis déjà d'avant ça de mon maréchal qui avait quand même fait un sacré travail, parce que vraiment avec Fanfan on revenait de très loin, peut-être que c'est le hasard qui fait que ça a coïncidé exactement à partir du moment où j'ai commencé à soigner les pieds avec ça. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que actuellement on est en train de voir le bout de certaines fourmilières où on pensait qu'on n'en verrait jamais le bout, on pensait que la fourmilière ne s'arrêtait jamais et s'étendait à l'infini. Là on est en train vraiment de la voir pousser et le sabot est sain et la fourmilière ne repart pas, et je pense que ouais, peut-être d'ici un ou deux parages on aura réussi à en éliminer quelques-unes qui étaient pourtant très profondes, qui avaient été en plus creusées par les podologues pour vraiment les mettre à jour. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte en fait d'à quel point c'est incroyable. Je veux pas trop m'avancer et dire que ça y est, Fanfan va avoir des pieds d'âne parfait et que personne ne pourra jamais deviner d'où il vient, mais si il y a un moment dans notre vie où on a pu s'approcher de cette direction, et bah c'est bien ouais, depuis que j'utilise ce petit produit magique. Et voilà, ça y est, j'ai fait le tour des 4 produits que je voulais vous présenter. En tout cas, c'est vraiment un honneur de pouvoir représenter une marque comme Aloe Equilibrium. Les produits naturels, on aime une marque qui connaît les ânes, qui parle des ânes et qui met en avant les ânes. Ça, c'est génial et on adore. De mon côté, j'ai vraiment hâte de commencer les nouveaux tests avec les nouveaux produits que j'ai reçus, dont je vous parlerai en temps venu. Si vous-même vous êtes utilisateur de produits de cette marque, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les produits que vous avez, que vous utilisez avec vos loups, si vous en êtes satisfait, dites-moi tout. Et si vous n'avez pas encore de produits de soins chez Aloe Equilibrium et que vous voulez sauter le pas, que vous voulez tester ça, ou si vous avez déjà testé mais que vous voulez repasser commande prochainement, n'hésitez pas à utiliser mon code promo. Ça vous donne moins 10% sur tout le site, il me semble. Donc c'est trop chouette. Et voilà, n'hésitez pas à en profiter. Sur ce, moi je vous fais tout plein de gros bisous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah. Du tambour avec